Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs de l'émission Temps des prières agressives avec l'homme de la continuité des actes des apôtres, votre humble serviteur, le pasteur Patrick Kalala. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse richement. Nous sommes très contents de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons, toujours dans le cadre de cette émission chrétienne, l'émission de tous les enfants de Dieu. Temps des prières agressives. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Nous répétons pour une meilleure audition. Votre humble serviteur, le pasteur Kalala, répond au plus 1-331-262-49-03. Ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous pouvez nous joindre. Que le Dieu Tout-Puissant soit béni, qu'il soit loué, qu'il soit exalté, lui le maître des temps, mais aussi le maître des circonstances. Que les dieux très hauts vous bénissent, les papas, les mamans, qu'ils vous bénissent abondamment. Je vous prie donc de bien vouloir partager, permettez à quelqu'un d'être branché, scotché, envoyez le lien à quelqu'un qui vous est cher, vous me suivez, partagez sur WhatsApp. Envoyez les liens à tous ceux qui vous sont chers sur WhatsApp. Partagez. Partagez sur votre propre journal si vous êtes sur Facebook. Partagez sur votre mur. Partagez également dans différents groupes auxquels vous êtes abonné pour faire une large diffusion de cette émission. Pourquoi nous devons faire une large diffusion? Parce que, étant d'abord disciples du Seigneur, nous sommes tous appelés à exécuter ou accomplir la recommandation du Maître. Notre Maître à tous, qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il nous recommande de faire de toutes les nations ses disciples à travers l'évangélisation. Donc soyez bénis, vous tous qui le faites déjà. Merci. N'oubliez pas non plus de cliquer sur j'aime. Aimez la vidéo. Et vous qui vous n'êtes pas encore abonné sur cette page, si c'est sur Facebook que vous me suivez, abonnez-vous sur la page Patrick Kalala Ministry, notre nouvelle page Facebook, et n'oubliez pas non plus de vous abonner sur notre chaîne YouTube Patrick Kalala. Que les dieux très hauts vous bénissent, qu'ils vous bénissent abondamment. Vous voulez nous suivre également sur TikTok, c'est sur TikTok Patrick Kalala officiel pour votre édification. Quand je répète, sur Facebook, c'est la page Patrick Kalala Ministry, sur YouTube, c'est Patrick Kalala, tout simplement Patrick Kalala, et puis sur TikTok, c'est Patrick Kalala officiel. Que les dieux très hauts vous bénissent, qu'ils vous bénissent abondamment. Nous sommes là pour pratiquement une heure et demie, pourquoi pas deux, des prières ensemble dans la présence du Seigneur. On va sans plus tarder remercier le Dieu Tout-Puissant. On lui dira merci pour le souffle de vie. On lui dit merci pour l'être, le mouvement et la respiration. Prions tous au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et d'Israël, nous voici une fois de plus devant toi pour te dire merci. Nous voici devant ta face pour te célébrer et te magnifier. Nous voulons ensemble avec les bien-aimés t'exalter, nous voulons t'élever, nous voulons te dire merci. Merci Shiloh d'Israël, merci Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence. La Bible déclare là où deux ou trois se sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Béni sois-tu Jésus, béni sois-tu le roi des rois, béni sois-tu l'agneau immolé de Dieu, béni sois-tu l'étoile brillante du matin, béni sois-tu le rocher des âges, le ressuscité du troisième jour. Ensemble avec les bien-aimés, nous te célébrons, nous te magnifions et t'adorons. Au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons profiter de l'occasion pour implorer la grâce, mais aussi la miséricorde de Dieu. Tu vas dire à Dieu de te pardonner de tout péché. Tu lui dis de te purifier par ton sang. Tu dis à Dieu de laver ta robe. Tu vas dire à Dieu de purifier tes vêtements. Que tout ce qui puisse constituer un obstacle à ta prière te soit pardonné. Implore la miséricorde du Seigneur. Dis à Dieu, Papa, pardonne-moi de tout péché, purifie mon âme, purifie mon corps et mon esprit.
Prions tous au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ce moment merveilleux. Merci pour ce temps précieux. Tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Tu es digne d'honneur. Ensemble, nous te célébrons. Ensemble, nous te magnifions. Nous t'exaltons, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, le roi des rois. Béni sois-tu, l'éternel des armées. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton pardon. Merci parce que tu purifies nos robes. Merci Jésus de nous laver. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble, nous te célébrons et te magnifions. Au nom de Jésus, nous disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, tu vas implorer la plénitude, mais aussi la puissance de Dieu. Tu vas dire au Dieu très haut de remplir ton âme, de remplir ton corps et ton esprit. Tu vas dire à l'Éternel des armées de te revêtir de sa gloire. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus, demande la plénitude du Saint-Esprit. Prie ma sœur, prie mon frère, demande la plénitude au nom de Jésus de Nazareth, Éternel des armées. Nous demandons encore ta plénitude maintenant. Ma prière au Dieu est que tu inondes mon âme, que tu inondes mon corps ainsi que mon esprit. Seigneur Jésus, revêt-moi de ta plénitude ainsi que de ta puissance. Père éternel, que tout ce qui puisse constituer obstacle à notre présente prière nous soit pardonné. Et nous te demandons de nous remplir, de nous revêtir de ta gloire, de nous revêtir de ta puissance, de nous oindre d'huile dans les noms de Jésus de Nazareth. Ensemble avec les bien-aimés, nous te disons gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Acclame le roi des rois, acclame l'agneau de Dieu, acclame l'étoile brillante du matin. Oui, papa, maman, que Dieu te bénisse. Je te demande maintenant de partager. Partage. Je t'ai pris de cliquer sur j'aime. Partager. Cliquez sur j'aime. Merci beaucoup de commenter. Commentez, réagissez, rassurez-nous que vous nous suivez 5 sur 5. Rassurez-nous qu'il n'y a pas de problème de son, il n'y a pas de problème d'image. Rassurez-nous que vous nous captez 5 sur 5. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager en ce net moment. Que Dieu bénisse toutes celles qui sont en train d'inviter ceux qui les sont chers, ceux qui leur sont chers. Merci de le faire et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je disais que le pasteur Kalala répond au plus 1-331-262-4903. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous appeler en cas de besoin pour la prière, pour une orientation divine, pour un conseil, pour soutenir également l'œuvre du ministère. Ce sont là nos coordonnées téléphoniques. Alors, je vous prie encore de partager, de faire une large diffusion parce qu'on va bientôt décoller. On va bientôt démarrer. Que l'Éternel des armées vous bénisse. Merci, vous qui partagez. Merci, je vois les mamans et les papas qui partagent. Et vous qui êtes connectés, mais que vous ne partagez pas du tout, je vous encourage de le faire. Et laissez-moi vous rassurer que Dieu vous bénira pour ça. Parce que vous serez en ces moments-là en train d'obéir à la recommandation divine. Il a dit, faites de toutes les nations ses disciples. C'est la recommandation de notre Maître, Seigneur et Sauveur, Jésus de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Nous sommes toujours là. Nous voulons maintenant commencer avec la lecture
de la parole de Dieu. Merci de me rassurer que vous me captez. Je salue donc tous ceux qui me suivent depuis l'Afrique, vous qui me saluez depuis la, qui me suivez depuis l'Europe, vous qui me saluez depuis l'Asie, vous êtes en Océanie, en Amérique, recevez toutes mes bénédictions et salutations en Christ et Jésus. Ouvrons la Bible dans 2 Rois chapitre 26. Et 2 Rois chapitre 20, verset 7. On commence à partir du verset 7. 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 7. Je pensais qu'on était à l'église. Il fallait vous dire de lire. De lire à haute voix. Pensant que j'allais vous écouter ici. Heureusement, nous ne sommes pas au même endroit. Et moi, je vais faire la lecture pour tous. 2 Rois, chapitre 20, à partir du verset 7. La Bible dit ceci. Ésaïe dit, prenez une masse de figure. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Que Dieu bénisse sa parole. Et qui change le gosse en rime. Remontons maintenant. Verset 1er. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit : Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. L'Éternel répandit d'abondantes larmes. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Je répète pour une érudition. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce que tu peux dire Amen? Encore une fois, Amen. Et Amen. Que l'Éternel des armées vous bénisse, mais qu'il vous bénisse abondamment. Merci à vous tous qui nous rejoignez. Merci à vous tous qui partagez. Mais quand vous nous rejoignez, n'oubliez pas la règle du jeu. Une fois connecté, tu cliques sur j'aime. Et puis tu commences à commenter pour nous rassurer que tu es là. En saluant tes frères, en saluant l'homme de Dieu. Mais également, beaucoup plus en partageant pour faire une large diffusion de l'émission. Que les dieux tout-puissants que je sers vous bénissent tous. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, notre sous-thème de ce jour s'intitule « La prière qui change la décision des dieux ». Et laissez-moi vous rassurer que nous sommes là tous ensemble, aujourd'hui ou ce matin, pour réellement
faire cette prière qui change la décision de Dieu. Et nous allons la faire tous ensemble avec vous. Tu me donnes un amen très bien. Que mon Dieu te bénisse. Suivez cette belle mélodie, je vous réveille. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour prier sous un sous-thème très édifiant et très important qui est une prière qui change la décision des dieux. Pour ceux qui ont suivi la lecture, vous avez compris qu'il s'agit d'une prière très importante, une prière très puissante, une prière agissante. La prière qui change la décision des dieux. On parle d'une décision lorsque il y a un arrêté, lorsqu'il y a une convenance, lorsqu'il y a un décret, lorsqu'il y a une ordonnance signée. Et ici, ce n'est pas la décision de n'importe qui, mais nous parlons de la décision du Dieu créateur. La décision du Dieu créateur qu'on appelle Elohim, c'est-à-dire le Dieu capable ou le Dieu qui crée les cieux, le Dieu qui a créé la terre. Et c'est notre Père à tous, c'est notre Dieu. La Bible dit, c'est en Israël, il y avait un roi Ézéchias qui s'est retrouvé malade. Il avait une sorte d'ulcère, une ulcère, bien aimé Seigneur, qui a failli les tuer. Ils ont tout fait. Il a tout pris comme médicament. Il est allé se faire soigner de manière traditionnelle. Il s'est fait soigner par la médecine moderne. Il a fait des services à travers des hommes spirituels. Malheureusement, sa plaie ne faisait que s'amplifier et prendre de l'ampleur. Ecclésiaste nous dit ceci, sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Toi qui me donnes un amen très bien, que Dieu te bénisse. Toi qui me donnes du j'aime, que Dieu te bénisse. Toi qui partage. Tout ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera demain. Il n'y a rien de neuf sous les cieux. Rien de nouveau, mes amis. Donc, si hier il y avait un homme en la personne d'Ézéchias qui se retrouvait malade, blessé, avec une plaie incurable, mais laquelle plaie était purement chronique, c'est-à-dire qu'elle était attachée à lui pendant longtemps, sans pour autant le relâcher. Il y a aussi des gens aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous exhorter, moi, votre frère, votre papa, votre pasteur, votre bien-aimé, pendant que je suis en train de vous exhorter et de vous conduire dans cette séance de prière, il y a aussi des gens qui sont blessés. Et aujourd'hui, on ne parle pas que de blessures purement physiques, mais nous parlons aussi des blessures spirituelles qu'on appelle des blessures intérieures. Il y a des gens qui sont, bien aimés Seigneur, choqués dans leur propre chair, terrassés par des maladies,
des maladies chroniques, mais aussi aiguës. Il y a des personnes qui traversent des moments difficiles, qui ont la lèpre, qui ont des ulcères, lesquels ulcères ne les quittent pas. Tu as tout fait pour soigner ta plaie. Elle peut être physique tout comme spirituelle ou intérieure, extérieure tout comme intérieure, mais voilà qu'elle est toujours accro à toi comme la lèpre. Il y a des ceux-là qui sont blessés à travers toutes sortes de déceptions. Il y a de ceux-là qui sont blessés à travers des trahisons. Il y a de ceux-là qui sont blessés au-dedans d'eux par des événements difficiles et une multitude des zones de turbulences. Je parle à quelqu'un qui traverse une période jonchée, certes de tout obstacle, et qui ne veut pas le relâcher. Bien-aimé, laissez-moi vous dire que des pareilles circonstances sont aussi parvenues ou arrivées dans la vie de nos prédécesseurs dans la marche avec le Seigneur. Et là, c'est l'exemple clair et net, l'exemple du roi Ézéchias. Nous parlons d'une prière qui change la décision de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des moments où Dieu, dans sa souveraineté, il se décide de récupérer les âmes de ses fils et de ses filles par la maladie. Et quand celle-ci est accro comme celle de l'ulcère du roi Ézéchias, la Bible déclare, Dieu enverra donc son serviteur, il enverra son serviteur la personne du prophète Isaïe. Et quand Isaïe arrive, c'est pour donner une mauvaise nouvelle. Oh mon frère et ma soeur, je parle encore à quelqu'un qui non seulement tu es malade, non seulement tu as des problèmes qui te terrassent. Non seulement tu as des problèmes qui troublent ton entendement. Non seulement tu es en difficulté. Non seulement tu as des plans maléfiques et des événements douloureux. Non seulement tu as été trahi par ton mari. Non seulement tu as été trahi par ta femme. Non seulement tu es dans des sérieux problèmes au niveau de l'État. Non seulement tu as des problèmes de dette. Tu as des gens qui sont insolvables. Les affaires ne marchent pas. Tu es dépassé par des problèmes, mais laisse-moi te dire, tu as aussi reçu une prophétie, pas par le prophète le moindre, mais par un prophète authentique, celui qui dit des choses vraies. On t'a encore surchargé avec des mauvaises prophéties. Non seulement tu as reçu une mauvaise prophétie par un prophète, mais par toi-même dans des rêves. C'est des rêves mystiques et bizarres, des rêves annonçant le chaos, des rêves de désespoir, des rêves où tu es poursuivi, des rêves où on t'a volé des choses, des rêves où on t'a amputé la destinée, des rêves de mort, tu rêves des choses compliquées. Ça dit que tout ne va pas dans ta vie. Et non seulement que dans le physique ça ne va pas comme Ézéchias était malade physiquement, mais dans le spirituel aussi, une décision est prise selon laquelle tu mourras. Je parle à quelqu'un qui a reçu une nouvelle spirituelle, une nouvelle depuis un homme, depuis le monde spirituel, selon laquelle tu échoueras. Tes affaires ne marcheront plus jamais. Tu perdras ton foyer. On te répudiera de ton foyer. On te chassera du travail. Tu perdras des enfants. Tu perdras ta femme. Tu perdras ton mari. Ça fait belle lurette que de tels rêves, de tels messages, de tels songes, mais aussi de telles prophéties sont le partage de ta vie. Pas seulement dans le spirituel, mais quand tu regardes aussi dans le physique, tout est noir, tout ne va pas bien, tu es malade, les affaires ne vont pas, les affaires sont malades, les activités sont terrassées, tout est perturbé. Mon frère et ma soeur, tu n'es pas la première personne à vivre cela. La Bible dit, dans l'ancien temps, il y a eu aussi des personnes qui ont expérimenté cela, en l'occurrence le roi Ézéchias. Mais nous vous montrons l'exemple de ce roi, pourquoi? Parce qu'il a eu à faire une prière comme celle que toi et moi nous sommes en train de faire et que nous allons faire le long de cette émission. Une prière qui change la décision de Dieu. Si la prière d'Ézéchias pouvait changer la décision de Dieu, a fortiori notre prière à nous aujourd'hui, fils et filles de Dieu, ne peut-elle pas
changer la décision, pas seulement celle de Dieu, mais encore davantage celle de nos ennemis. Si l'homme peut prier et qu'il change ce qui a été décidé par Elohim, le Créateur, a fortiori, ce même homme, fils ou fille de Dieu, ne peut-il pas faire une prière qui puisse changer la décision des méchants? Pourquoi ta même prière aujourd'hui soit-elle inefficace pour perturber le programme arrêté par les détracteurs de ta destinée? Est-ce que ta même prière aujourd'hui ne peut-il pas perturber ou bouleverser le programme arrêté depuis le monde des ténèbres? Ah, mon frère et ma sœur, si tu étais déjà découragé, si tu étais déjà abattu, je viens par ce message pour te dire, le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant, il est de ton côté, il attend une prière de ta part. Ah, moi, si j'étais à ta place, je disais Amen. Si j'étais à ta place, je disais Amen plus fort que ça. Si j'étais encore à ta place, je crierais pour dire plus fort que ça. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Donnez-moi quelques partages parce que j'ai la foi à communiquer à un frère. Partagez encore ce live parce que j'ai la foi à communiquer à une sœur. Partagez encore, mes amis, parce que j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi à communiquer à un bien-aimé. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Donnez-moi des partages et des partages. Faites une large diffusion de ces lives. Faites une large diffusion de ces lives. Je veux communiquer la foi à un bien-aimé. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Que Dieu honore la foi de toute personne qui est en train d'inviter les personnes qui lui sont chères. Facilitez-moi de communiquer le message à quelqu'un qui a besoin d'être affecté ce matin. Il y a une âme qui est abattue, mais qui a besoin de replacer sa confiance en Dieu et de croire aussi en sa prière. Ah, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu très haut vous arrose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez, partagez, partagez. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Soyez tous bénis, vous qui le faites. Soyez tous bénis, vous qui le faites. Merci beaucoup à vous qui partagez et qui invitez les vôtres. Éternel Dieu, merci. Merci, merci, merci. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Écoutez-moi très bien. Si le roi Ézéchias pouvait faire une prière qui puisse changer la volonté du Très-Haut. Si le roi Ézéchias pouvait faire une prière qui soit à mesure de changer la volonté du Très-Haut. A fortiori, je dis bien, a fortiori, toi mon frère, toi ma sœur, qui est chrétien, fils du Dieu très haut. Chrétien, fils du Dieu très haut.
C'est pourquoi je te demande, papa. C'est pourquoi je te demande, mon frère. Je te demande, ma soeur très bien-aimée, de placer la foi en ta prière. Crois davantage. Je dis bien, crois davantage à ta prière. La Bible dit, il a souffert pendant longtemps. Il a souffert de cette situation pendant longtemps. Mais voilà que la solution vient à la dernière minute. Peu importe la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Et je prie que ce jour ne tarde plus à venir dans la vie de quelqu'un qui est au bout de sa force. Pendant qu'il se plaignait de cette situation, comme toi tu te plains depuis des mois, des jours et des années, d'une situation qui tourmente ton cœur, ça peut être un problème de mariage, de célibat, ça peut être un problème de veuvage, ça peut être un problème de stérilité, ça peut être un problème de blocage, de chômage, ça peut être un problème des problèmes, des situations difficiles, ça peut être un problème psychologique, des problèmes des enfants qui se comportent mal. Je ne connais pas ce que tu as comme problème, un problème au tribunal, bien aimé, des problèmes des gens qui sont insolvables. Insolvable, mes amis. Il y a des gens qui ont fait des années, des mois, des jours en train de vivre le calvaire. Tu as une plaie qui est en train de s'infecter. Tu pries, c'est comme si la plaie ne faisait que s'infecter davantage. Et tu te poses la question, est-ce que ma prière, Dieu l'exauce-t-elle? Bien-aimé dans le Seigneur, voilà qu'il était dépassé déjà. C'est alors qu'il va voir un prophète venir. Pensant que c'était un oint de l'Éternel qui venait encore pour lui accorder la bonne nouvelle. Malheureusement, c'était un message qui le plongeait encore dans le désespoir. C'est pas que le prophète Ésaïe était méchant contre lui, mais c'est que Dieu l'avait envoyé lui dire: roi Ézéchias, tu vois la maladie dont tu souffres, elle t'emportera. Tu mourras par elle. Ça, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Autrement dit, Dieu en a décidé ainsi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu en a décidé ainsi. Quand nous parlons de Dieu, nous voyons l'entité spirituelle. Dieu est une entité spirituelle. N'oubliez pas qu'il y a cela deux jours, je vous ai parlé que la prise de décision, j'étais avant-hier, je pense, c'est pas dans le physique qu'on l'apprend, mais on l'apprend dans le monde des esprits. Si Dieu peut arrêter des décisions, sachez que son imitateur Satan et ses acolytes en sont aussi des imitateurs dans ce domaine-là, et ils sont des spécialistes et ils le font tous les jours. J'annonce à quelqu'un qu'une décision a été aussi prise ou arrêtée dans le monde spirituel. Quelle était cette décision? La décision est que tu perdes ton enfant aujourd'hui. La décision est que tu perdes ta fille, que tu perdes ton fils. La décision arrêtée dans le monde de méchants, c'est que tu perdes ton activité, c'est que tu perdes ton mari, c'est que tu perdes ta vie. C'est ça la volonté. Arrêtée depuis le monde des esprits. Si le prophète Ésaïe est venu pour informer au roi Ézéchias que la décision est arrêtée dans le monde spirituel, pas dans le monde de Satan, mais c'était Dieu lui-même. Laisse-moi te dire qu'il y a beaucoup de gens qui reçoivent aussi des prophètes, qui reçoivent également des visions, des songes qui leur annoncent la même chose. Cas par exemple, les personnes qui rêvent de personnes décédées. Ça te fait belle lurette que tu ne fais que rêver. C'est ta grand-mère, ton grand-père, ton frère, ta mère, ton papa, ton ami déjà décédé, mais qui te revient de temps à autre dans les rêves. Tu les rêves toujours, elle vient te chercher. Des fois, elle prépare la nourriture, vous mangez ensemble. Elle vient te prendre, vous allez fêter. Vous allez dans des fêtes, dans des boîtes de nuit. Peut-être qu'elle n'en avait même pas l'habitude. Mais tu vois, elle vient te prendre, vous allez nager dans la piscine ensemble. Mais pendant ce temps, tu as une maladie incurable qui s'accroche à toi. Tu souffres d'un cancer,
tu souffres bien, mais Seigneur, des cancers des reins, des cancers de l'estomac, tu souffres d'un cancer de sang, de la leucémie, tu souffres bien, mais Seigneur, des ulcères compliqués appelés Mbasu, Mwanza. On t'a jeté une maladie terrible, tu es paralysé déjà, tu es dans le coma. Mais c'est des choses que tu vois dans les rêves. C'est-à-dire que tu reçois des messages émanant du monde des esprits. Et n'oublie pas que le monde des esprits, c'est ce monde-là qui décide sur les communs des mortels, sur ce monde ici physique. Vous vous souviendrez qu'une décision a été prise dans le monde des esprits, dans les livres de Job, chapitre 1, chapitre 2. Laquelle décision a été prise la nuit et le lendemain matin, l'exécution a commencé dans les activités de Job. Satan a récupéré dans le monde des esprits une décision entre lui et Dieu. Et quand il est descendu sur terre, directement les entreprises de Job ont commencé à... Elles sont tombées en faillite. Job est rentré dans un nouvel épisode de pertes sérieuses. Je suis en train de parler à quelqu'un qui traverserait aussi ce genre de situation. Tu as beaucoup perdu. Tu as perdu des enfants. Tu as perdu des finances. Tu as perdu des activités. Tu as perdu des relations. Tu as perdu des activités. Tu as perdu des entreprises. Tu as perdu des connexions. Tu as perdu des ouvertures. Tu ne fais que perdre. Les fiancés sont partis. Il se pourrait que ce soit une décision prise quelque part. Ce n'est pas une émission de prédication et d'enseignement. Mais nous sommes là, mes amis, pour passer des temps dans la prière. Mais notre prière, on doit la faire sur base de la parole. Voilà pourquoi de temps à autre, je viens affermir la foi de quelqu'un. Pour que tu pries, mais avec un soubassement, la parole de Dieu. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu ne travailles, tu ne collabores pas avec l'homme de Dieu. Et je te prie de collaborer maintenant. Je sais que tu es une fille de Dieu. Peut-être que tu es distraite. Peut-être que tu ne le savais pas. De quelle manière peux-tu collaborer avec moi pour faire avancer l'œuvre du Seigneur? C'est en nous facilitant des partages. Encore une fois, tu es abonné à quelques groupes Facebook. Tu cliques sur les liens. Clique sur partager. Et puis partager dans les groupes. Envoyez les liens à quelqu'un. Partagez sur WhatsApp. Partagez sur WhatsApp. Vous cliquez sur copie. Et puis, vous partagez les liens sur WhatsApp. Vous partagez les liens à vos amis dans les groupes WhatsApp auxquels vous êtes abonnés. Partagez, partagez, partagez. Faites une large diffusion. Une large diffusion de ce live. Et merci à vous tous qui réagissez. Ne suivez pas comme si vous étiez au cimetière. Suivez comme si vous étiez à l'église. Comme si vous étiez dans la présence de Dieu. Dans la maison du Seigneur, là, on crie la liberté. C'est-à-dire que vous pouvez commenter. Quand la parole de Dieu vous touche, vous réagissez « Amen ». Et rassurez à l'homme de Dieu parce que je ne vous vois pas. Mais rassurez-moi que vous suivez et que l'exhortation vous affecte positivement et que vous êtes interpellé. Vous commentez, vous réagissez et vous m'y rassurez que vous êtes ensemble avec moi, que vous participez à la prière et c'est comme ça qu'on évolue. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Donnez-moi 3 fois « Amen, Amen, Amen ». Que le Dieu d'Ézéchias s'élève déjà dans votre vie. Vous qui êtes aussi terrassé par des problèmes, vous qui expérimentez ce genre de situation, que le Dieu Tout-Puissant vous localise. Pendant que vous méditez 3 fois « Amen, Amen, Amen », donne ce Dieu-là vous bénir. Dites-moi 3 fois « Amen, Amen, Amen », que l'Éternel des armées vous visite. Pendant que vous écrivez 3 fois « Amen, Amen, Amen », que le Dieu Tout-Puissant vous arrose et qu'il soit sensible aussi à votre prière. Merci. Merci à vous qui réagissez. Que Dieu bénisse vous tous qui partagez et qui partagez dans les différents groupes, qui envoyez des liens à ceux qui vous sont chers. Merci, merci à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Là, il s'agit du prophète qui vient. Mais Isaïe, ce n'est pas n'importe quel prophète. C'est un prophète qui dit des choses qui s'accomplissent. La Bible dit, on reconnaît un vrai prophète dans l'accomplissement de ce qu'il a dit. Il ne suffit pas seulement de prophétiser des choses, mais on va vérifier ta prophétie dans l'accomplissement. C'est dans l'accomplissement qu'on reconnaît. Or, Esaïe, ce n'était pas le moindre. C'était un homme qui prophétisait,
qui disait des choses, dans la plupart des cas, lesquelles choses s'accomplissaient. Donc, quand Isaïe vient te dire qu'attention, je vois ton fils là va mourir, c'est qu'il va mourir. S'il vient te dire attention, je vois Dieu t'élever, tu seras premier ministre, attends-toi à être nommé premier ministre. Donc, c'est un prophète authentique. Et quand il vient vers le roi Ézéchias pour lui dire que Dieu m'envoie te dire, Ézéchias était plus que rassuré que ça venait pas d'Esaïe lui-même, mais que c'était un message qui venait de Dieu. Je parle à quelqu'un qui fait des rêves. Tu es plus que convaincu que quand toi tu rêves, que ça soit des rêves positifs, tout comme négatifs, c'est vraiment le monde des esprits qui te communique l'information. Donc, des types de rêves que tu fais, où on est en train de t'enterrer, on est en train de t'assassiner, on est en train de t'empoisonner, on est en train de te ravir des enfants, on est en train de gâcher ta maison, de détruire ton foyer, on est en train de détruire tes entreprises. Tu sais bien que ce n'est pas tes propres imaginations. Tu connais l'authenticité de tes rêves. C'est Dieu comparable au roi Ézéchias qui reçoit le message. Le plus grand problème, ce n'est pas celui de recevoir le message, mais le plus grand problème, mes amis, c'est l'attitude que tu affiches. C'est ton attitude maintenant, après avoir reçu ce message. Comment réagis-tu? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen que j'avance. Encore une fois, amen que je continue. Le plus grand problème, c'est ta réaction maintenant. Comment réagis-tu après avoir reçu le message? Nous parlons d'une prière qui change la décision de Dieu. Il y a de ces personnes, une fois qu'elles reçoivent un message leur annonçant le mal, elles rentrent encore dans le découragement profond. Tu vas voir une personne, une fois qu'elle reçoit un message négatif, la personne est plus qu'abattue. C'est comme si Dieu venait encore la clouer à la croix de Golgotha. Elle est prête à pleurer comme Jésus disait, Père, pardonne-leur. À la croix, il est en train de pleurer. La Bible dit, Dieu envoya son ange pour les fortifier. Je parle à quelqu'un qui ce matin se retrouverait dans cette situation. Ton âme est plus qu'abattue. Bien-aimé, quand nous prêchons comme ça, d'aucuns risquent de croire que papa, c'est parce que ça ne t'est pas arrivé. C'est pourquoi tu prêches comme ça, papa. Il y a des situations qui découragent. Quand la blessure a pris du temps, elle est en train de s'infecter, elle s'infecte, tu pries, mais elle s'infecte. Tu cherches Dieu, mais ça s'aggrave. Tu fais des études, ça se complique, papa. Ça, c'est fatigant des fois. Mes amis, c'est fatigant. Ézéchias aussi en avait marre. Mais regardez attentivement son attitude. Regardez attentivement son attitude. J'aimerais que quelqu'un applique la même stratégie. Les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Si Ézéchias pouvait prier, c'est que toi également tu es capable de prier. Et la personne qui prie n'est pas en bonne santé, mes amis. La personne qui prie, elle est malade elle-même. Quelqu'un me dira, pasteur, il faut que vous qui êtes fort, vous puissiez prier pour moi. C'est vrai. Dieu dit quand quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, ils prieront pour lui en lui oignant d'huile. Mais voyez-vous que ce n'est pas tous les cas. Ce n'est pas tous les malades qui doivent appeler les anciens de l'église. Sûrement, Ézéchias l'aurait déjà fait. Peut-être qu'il l'avait fait auparavant, mais ça n'a peut-être pas marché. Là, je parle à quelqu'un qui a tout fait. Les gens sont venus te secourir. Les intercesseurs sont venus. L'homme de Dieu a prié. Mais la situation ne marche toujours pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que suis-je en train de parler à quelqu'un? Ça ne marche toujours pas. Je viens te rassurer. Compte sur ta propre prière. Prière y'a loka suka. Prière y'a mur contre mur. Prière y'a face contre mur. Prière rumanza mena mira makwanza. Coince Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où tu dois coincer Dieu et faire une prière qui fait quoi? Qui change la décision arrêtée dans le monde des esprits. Si Ézéchias pouvait arrêter et changer une décision arrêtée par dans le conseil céleste par Dieu lui-même, a fortiori celle qui a été arrêtée dans le monde des sorciers.
Je viens annoncer à quelqu'un, ta prière est capable de changer ce qui a été arrêté dans la réunion familiale. Je dis à quelqu'un, ils attendront longtemps. Ils entendront longtemps ton chaos. Ils vont entendre pour longtemps la destruction de ton foyer. C'est pour longtemps qu'ils vont entendre ta ruine. Ils attendent que tu décèdes pour qu'ils aient des ouvertures. S'il y a des gens qui ont fait des réunions, ils ont décidé que tu dois verser ton sang à toi pour qu'ils puissent voyager, aller en Europe. Ils ont planifié que ton sang soit versé, qu'ils aient des galons, qu'ils aient encore de la promotion au travail. S'il y a des personnes qui ont cru qu'à travers la destruction de tes enfants, la matière grise de tes enfants peut être vendue pour qu'eux puissent être encore beaucoup plus intelligents et qu'ils puissent avoir des initiatives à apporter à leur lieu de travail, qu'ils soient propulsés dans leurs affaires. S'il y a également des faux soi-disant serviteurs ou servantes de Dieu qui veulent verser de vos stressants, pour qu'ils puissent exploiter votre étoile dans leur ministère, entre guillemets, leur fétichisme et occultisme, je viens d'annoncer dans les noms puissants de Jésus-Christ que le Dieu très haut, il est aussi sensible à ta voix. Dieu n'attend que ta prière, laquelle prière sera aussi aujourd'hui capable de perturber les programmes des méchants, capable de stopper ce qui a été arrêté sur les autels maléfiques, ce qui a été arrêté depuis la maison des féticheurs, depuis la maison de devins. Ta présence de prière est capable de stopper cela. Si tu crois, tu dis trois fois Amen, Amen, Amen. Donne-moi trois fois Amen. Que le Dieu Tout-Puissant prête l'oreille à ta prière. La prière qui change des décisions prises dans les mondes des esprits. Élève ta voix, dis à Dieu, Seigneur, entends aussi ma voix, que ma voix soit entendue dans le lieu très haut, que ma voix aujourd'hui, à travers ce moment de prière, puisse changer, stopper des décisions prises dans le monde des esprits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une prière de ce matin de quelqu'un va changer et perturber des décisions prises dans le monde des esprits. J'annonce à quelqu'un, si tu peux faire comme Ézéchias, ta prière changera, ta prière arrêtera les programmes maléfiques, ta prière perturbera les projets maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse toi qui prie bien. C'est pourquoi tu vas élever ta voix pour dire à Dieu, Yahweh, entends aussi ma voix, entends aussi ma prière, entends aussi ma déclaration. Seigneur, localise aussi ma plaie. Ça peut être une malformation congénitale, ça peut être un problème du travail, ça peut être un problème de santé, ça peut être un problème dans les affaires, ça peut être un problème dans les études, ça peut être un problème dans la vie des enfants, ça peut être un problème dans ton projet de foyer, de fiançailles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ma plaie, elle est continuelle. J'en ai souffert pendant longtemps. Le problème de stérilité, le problème de limitation, le problème de blocage, le problème de troubles, le problème de trahison. Père éternel, je viens t'invoquer aujourd'hui comme le roi Ézéchias. Élève ta voix, commence à dire à Dieu, je crois que ma présente prière va également perturber le plan de l'ennemi. Je crois que ma présente prière va aussi toucher et affecter ta décision. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Fais une confession positive. Dis, Seigneur, je crois que ma prière aussi ce matin, elle sera entendue dans le lieu très haut. Et Yahweh, je me rapproche de ton trône. Je viens à toi, Seigneur, reconnaissant ta fidélité. Tu n'as point changé. Tu es le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois fermement que ce moment de prière va bouleverser beaucoup de choses dans le monde des esprits. Je crois en ma présente prière. Seigneur, je suis de la race d'Ézéchias. Je crois fermement que ma présente prière va changer quelque chose. Arrêter dans le monde des esprits. Même quand c'était à mon désavantage, je sais une chose, que ma présente prière, changera une décision quelque part dans le monde spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, ajoute une minute, prie ma soeur, prie, dis à Dieu, je crois fermement. Élève ta voix et confesse, la vie et la mort sont pouvoir de la langue. Commence par déclarer, Seigneur, je crois fermement en ma présente prière. Je sais qu'elle va affecter positivement ma vie.
elle va troubler, elle va bouleverser, elle va déplacer les bornes. Père éternel, je crois en la prière comparable à celle d'Ézéchias, et que ma prière de ce matin soit aussi efficace pour changer une décision, mais concernant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, persévère. Persévère dans la prière. Je vous prie de partager. Partager, partager, partager. Partager, partager, partager. Partagez massivement, mes frères. Partagez, partagez, partagez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Je t'ai pris de partager même sur WhatsApp. Partage sur WhatsApp. Partage dans les groupes WhatsApp auxquels tu es abonné. Partage dans les groupes Facebook auxquels tu es abonné. Partage sur ton journal. Partagez, partagez massivement. Donne-le Dieu très haut vous arroser. Merci. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais de tout cœur. Sois béni, papa. Sois béni, maman. Sois béni, bien-aimé. Que le Dieu très haut te visite. Toi qui le fais bien. Que Dieu t'arrose. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Mon frère et ma sœur, jusque-là, nous sommes qu'à 109 partages. C'est très peu. C'est très peu. Très peu, mes amis. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui est en train de prier, mais qui ne veut pas servir Dieu? La Bible dit, fais de l'Éternel ses délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes qu'à 109 partages. C'est très peu pour un live. Pendant que nous prêchons, il y a des gens qui signalent nos vidéos. Mais toi, fils et fille de Dieu, partage, tu traînes le pas. Et pourtant, ces enseignements t'édifient. Je ne sais pas tu es de quel côté. Jésus-Christ pouvait dire, c'est lui qui n'est pas avec nous, c'est qu'il est contre nous. Là, nous sommes à 263 partages. Merci à vous. Merci à vous qui le faites. Continuez qu'on atteigne même 500, 1000 partages, pourquoi pas. Partagez dans des groupes. Invitez les frères, invitez les sœurs. Je bénis tous ceux. Soyez tous bénis. Vous qui partagez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous arrose. Je vous vois de temps à autre vous déconnecter. Si c'est pour partager, gloire à Dieu. Mais si vous êtes dans un camp de ceux qui vont signaler, tant pis encore pour vous. Parce que l'homme moissonnera ce qu'il aura semé. Multipliez des partages. Multipliez des partages. Que Dieu vous bénisse richement. Je disais ceci, ma soeur, sois bénie, toi qui partages, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Là, ce n'est pas la décision d'un sorcier, c'est la décision arrêtée par Dieu. Dieu a envoyé lui-même, il a résolu de tuer le roi. Il dit qu'il faut qu'il meure seulement de cette maladie. Alors qu'il se prépare, qu'il fasse les testaments, qu'il prépare sa mort à Bonsardjaliwanaï, à Sala Testament. Quand je mourrai, un tel va prendre telle parcelle là-bas à Kingakati. L'autre va prendre là-bas de l'autre côté. C'est le château que j'ai laissé en France derrière les Champs-Élysées. L'autre va acheter là-bas. Et l'immeuble qu'il y a aux États-Unis, à New York là-bas, c'est l'autre qui va prendre. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est qui? C'est Dieu qui a ordonné. Il a dit, c'est comme ça que j'ai résolu. Va lui dire de se préparer.
La Bible dit, le roi Ézéchias, plutôt le prophète Ésaïe va rentrer dans la cour royale. On le reçoit. Je parie que dans le cœur du roi Ézéchias, il avait peut-être un ouf de soulagement. Il s'est dit, waouh, enfin, Dieu m'a exaucé parce que le prophète, le roi, plutôt le prophète Ésaïe, ce n'est pas le moindre. Donc, quand quelqu'un vient de la part de Dieu comme ça, c'est que Nzamba yokelinga mawa. Nazozo guérison na maladie yo. Et nyo kolinga tamboulaï. Toi qui n'entends pas les lingala, je disais, Dieu a eu pitié de moi. C'est que je suis en train de voir l'avenir, la solution à ce problème de maladie. Cette maladie qui a duré longtemps. Effectivement, mes amis, il pensait que c'était ça. Mais à sa grande surprise, le prophète lui dit, désolé roi, je viens de la part de l'Éternel pour t'informer que tu dois te préparer parce que tu vas quitter. Soon as possible, ce monde. Incessamment, tu vas quitter. Ah bon? Il dit, c'est fini pour moi. Je parle à quelqu'un qui est dans le désespoir parce que tu as reçu de tels messages. C'est pas que ce sont de faux messages, des messages vrais. Je parle à quelqu'un qui entend une voix audible lui parler de ça. C'est pas que la mort. Il y a aussi des combats. Tu as reçu 3-4 prophètes qui t'ont dit, nous voyons un accident grave. Mais dans l'accident, nous te voyons sortir avec des bras, les deux bras fracturés, ou bien avec les deux jambes amputées. Le colon sika kote mususu, o komi kikata. Le matin, tu as fait, la nuit, tu as fait ce rêve. Le matin, un prophète t'annonce la même chose. Le soir, un autre t'appelle. Et après, c'est un membre de famille qui te dit la même chose. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que c'est une décision prise dans le monde des esprits. Peu importe la forme. Il y a de cela. Tu es chef quelque part, on te dit, nous te voyons, nous voyons un tourbillon souffler dans ta compagnie. Il y avait des gens qui sortaient sous la puissance du vent. Et parmi lesquels toi aussi, je t'ai vu être emporté et repoussé par le vent. Nous avons mon pépé, tout le monde y a. Des rêves compliqués, des messages négatifs, si on peut les appeler comme ça, ça se multiplie, ça se multiplie, ça se multiplie. Le roi Pharaon fait un rêve qui se répète. C'est-à-dire le même rêve, il le fait deux fois. Et le jour où Joseph vient pour interpréter, il lui dit quoi? Il lui dit ceci. Si tu as vu quelque chose se répéter comme ça, et que ça vient de la part de Dieu, c'est que la décision a été arrêtée. J'annonce à quelqu'un, il y a des décisions déjà arrêtées. Dans la réunion, quelque part, les gens ont signé que ce mois, tu ne l'achèves pas. Un malheur va forcément t'arriver. Un problème sérieux va te visiter. Vous aurez des troubles dans votre foyer et dans votre entreprise. C'est des choses que tu as reçues. Mais je viens aussi te dire que ta présente prière est capable, malgré la multitude et l'authenticité du message, capable de dire stop à cela. Ça ne date pas d'Ézéchias. C'est la capacité et le pouvoir que Dieu a donné à ses fils et à ses filles. Depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné à ceux qui sont appelés ses fils. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à changer les décisions dans le monde des esprits. Là, on doit se mettre très, très d'accord sur certains points. Ah, je vous dis la vérité.
seulement ses fils, seulement ses filles qui ont la capacité de le faire. Des personnes qui sont en communion avec le ciel. C'est pas tout le monde qui est fils de Dieu. Malheureusement, hein, je suis désolé de vous blesser un tout petit peu. Kokota na ba déclaration na zo sala ana lo yengete. C'est pas tout le monde qui soit capable de changer des décisions dans le monde des esprits. Ah, je dois vous dire la vérité. C'est des personnes qui sont fils de Dieu, des personnes qui sont filles de Dieu. Or la Bible dit qui est fils de Dieu, qui est fille de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur, ceux-là sont fils de Dieu. C'est la Bible, c'est pas moi. Yangona zotunayo, mon limo nini kambarayo, tu es conduit par quel esprit? Ce n'est pas, la Bible ne dit pas que ceux qui sont dans des églises sont capables de changer les décisions. Hein? La Bible ne dit pas non plus ceux qui prient dans temps des prières agressives avec le pasteur Kalala sont capables de changer les décisions. Hein? La Bible nous parle de ceux qui sont fils de Dieu, c'est-à-dire qui sont en communion avec le ciel, en communion parfaite avec Dieu. Ce sont ces gens-là qui sont capables. Est-ce que je parle à un fils de Dieu ici? Le fils et la fille de Dieu, on le reconnaît à travers leurs fruits. Jésus-Christ parle même des serviteurs de Dieu à travers leurs fruits. Bambou malabango. La Bible dit on reconnaît l'arbre bon par ses fruits, les fruits qu'il libère. Quand on regarde ta vie, tu libères quel type de fruits? L'hypocrisie et la duplicité. Tu viens prier avec nous, mais tu es également de l'autre côté en train de nous combattre. C'est la duplicité, tu n'es pas fils de Dieu, tu perds ton temps. Tu vas à l'église, mais derrière tu es la personne qui combat même le pasteur de l'église, tu combats la vision. Tu es un hypocrite. Tu es comme un scribe, un pharisien. Au lieu et place de prier, tu viens pour plaisanter, se moquer des gens. Malheur à toi. Tu vas à l'église, mais dans l'intention de détruire la vie de tes frères et sœurs. Pendant que les autres vont prier. Mon frère et ma sœur, pendant que les autres vont prier, toi tu vas pour présenter des vêtements. Pendant que les autres vont prier, toi tu vas pour regarder qui donne les offrandes, qui soutient pour que tu rentres à la maison. Tu commences, mes seigneurs, à critiquer, à traiter cette sœur-là de la concubine de l'homme de Dieu, prêter des intentions aux autres. Je te dis que tu vas à l'église, mais tu n'es pas fils de Dieu, tu n'es pas fille de Dieu. Pendant que les autres viennent pour prier, toi tu viens pour faire le matalana, ce qu'on appelle le matu-vie. Tu peux prendre 2h30 pour faire les soins de visage, manicure, pédicure, chercher quel habit va mieux. C'est bien tout ça, il faut être propre, il faut refléter la gloire de Dieu, c'est bien. Mais dans quelle intention? Bah, ressentir les longues églises, démontrer bah, nos apologies. Ça, ce n'est pas les fruits d'une fille de Dieu. Ce ne sont pas les fruits d'un fils de Dieu. Une telle personne, tes prières seront inefficaces. Ta prière n'est pas capable de stopper. Bien aimé, écoutez. Ça, c'est la première dimension. Je vais dimension par dimension. Ézéchias fait une prière. Quand il reçoit le message,
Il rentre dans la maison, dans sa chambre, face contre mur. C'est-à-dire quoi? Il fait la prière recommandée par Jésus. Jésus dit, quand vous priez, n'allez pas dans des places publiques, dans des ruelles, pour que vos prières soient entendues de tous et que vous soyez vus de tous. Mais celui qui prie dans le secret, il rentre dans sa chambre, dans le secret, il y a un Dieu qui écoute dans le secret. C'est ce qu'Ézéchias a fait. Ami Kotikat Naïe, dans un lieu secret, et il commence maintenant à faire la prière. Écoutez la prière de cet homme, le roi. Il dit ceci, j'ai marché avec droiture devant toi. Est-ce que vous comprenez, mon ami? Kouyana lo yengete, amen. Ma prière va changer les événements. Lo yengete, yaya. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions ici là, c'est un Dieu qui connaît nos vies. Il connaît, il voit nos traces. Ce que tu vas faire dans des boîtes, dans des hôtels avec les maris d'autrui, avec les femmes d'autrui. Ce que tu vas faire en gâchant les destinées des filles d'autrui, des jeunes filles. Tu vas abuser de leur corps comme ça, détruisant leur destinée. Toi, un papa plus âgé, mais tu détruis les vies des filles qui ont l'âge de tes enfants. Dieu te voit, je ne vais pas te condamner, mais je te dis la vérité. Ézéchias dit ceci, j'ai marché en toute quiétude devant ta face. J'aimerais que quelqu'un commence par là, que tu dises à Dieu, aide-moi à marcher pieusement devant toi. Loin de moi la jalousie, loin de moi la haine, loin de moi la convoitise, biloulele leki. Musala ko lula, peko jalousie biloka banina. La jalousie, c'est ce qu'on appelle par le stage de la sorcellerie. Un stage à Kindokezalaga. On reçoit formation, éducation, c'est-à-dire qu'on appelle quoi? Rattrapage. Bazo recyclé yo. Ou bien ça couper ce stage à sorcellerie. Ça commence par la jalousie. Posez la question à Caïn. Il n'est pas né comme ça. C'est une attitude que quelqu'un adopte, il cultive, développe, jusqu'à ce que tu deviennes sorcier. Jusqu'à ce que tu deviennes sorcier. Il a commencé par jalouser son frère. C'est pourquoi si tu remarques ce genre de choses en toi, tu n'es pas à l'aise quand quelqu'un d'autre réussit à côté de toi, quand quelqu'un d'autre vit sa vie normale, quand quelqu'un d'autre il s'y connaît dans ce qu'il fait et il s'y retrouve, tu es aigri. Comprends mon frère et ma soeur que tu es en train de faire le stage à la sorcellerie. Demain et après-demain, quand tu vas développer cette culture-là, après quelques mois, tu vas empoisonner quelqu'un, tu vas assassiner quelqu'un, tu vas ensorceler aussi comme Caïn. Et tous ceux qui vivent dans ce genre de choses ne sont pas en train de marcher pieusement devant Dieu. On doit commencer par là. Réparons notre communion avec le Seigneur. Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Quel type de pensée monte en toi, dans ton esprit? Quel type de comportement tu affiches? Je ne parle pas de ce que tu affiches en présence des gens. Ce que tu médites dans ton cœur quand les gens ne sont pas avec toi. Ce que tu médites dans ton cœur quand tu es seul en plein voyage, tu es parti à Dubaï. Tu es en Turquie, loin de ton foyer, loin de ta maison, loin des pasteurs, loin des frères de l'église. Tu vis comment ta vie? Tu la mènes comment là-bas? Ici, Esaïe dit, Père, toi qui vois les cieux et la terre, toi qui vois tout, même dans les zones cachées, tu sais bien que moi là, Ézéchiel, je marchais pieusement devant toi. Natamboli sembo na banzela nanga. C'est que na yibelo kwa mututé. Na koti nda kwa ngangate. Na koti mutu ntso kite pona kosale mabe. Banzela nangeza sembo liboso na yo. Et je te dis que c'est possible que tu mènes également une vie comme ça. J'ai peur, il n'y a pas que le roi Ézéchias comme exemple, mes amis. Il y a notre bien-aimé Daniel. Quand le roi l'appelle pour lui dire, Daniel, tu ne peux pas te prosterner seulement devant la statuette et garder la vie sauve. Daniel dit, ô roi, vis en paix. Ou melanayo, vis éternellement. Moi, Daniel, que tu vois là,
ton serviteur, je n'ai pas usé de fraude dans tes affaires ici-là. Je suis dans le gouvernement, dans le gouvernorat, depuis des mois, des années et des jours. Je ne t'ai fait aucun mal. Je suis droit dans ma marche vis-à-vis de toi. Et face à mon Dieu, je n'ai pas commis un péché. Ça, c'est Daniel qui parle aussi. Il n'y a pas qu'Ézéchias qui tient ce discours. Daniel fait ce discours. C'est pour te dire quoi? Il y a des personnes qui mènent une vie de communion. C'est-à-dire que tu es obéi à Dieu. Tu es obéissant et obéissante à la voix de Dieu. Tu marches en communion, en parfait accord avec l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, rectifie ma marche. Je viens rectifier ma marche. Je ne viens pas te condamner. Je ne viens pas te condamner. Mais je viens te pousser à te repentir et à rectifier ta marche. C'est possible, mon frère, que tu prennes une décision de rectifier tes marches, tes traces et tes tirs. Si tu étais dans la débauche, répands-toi. Prends une décision d'abandonner une fois pour toutes. Si tu étais hypocrite, répands-toi. Si tu es ennemi des gens de bien, répands-toi. Si tu accuses les gens faussement, même quand tu vas signaler là, tu signales que là-bas, ce sont des harcèlements, ce sont des paroles, des propos injurieux. Il y a quoi? J'ai vu beaucoup de trucs là-bas dans les signalements en question. Ils nous harcèlent, ils nous dérangent psychologiquement, des paroles haineuses, des paroles, des troubles, tout ça. Tu accuses des choses fausses. Il y a des soumoutes. Tu mens. Tu es en train de mentir. C'est-à-dire que tes voies ne sont pas droites devant Dieu. Et une telle personne ne peut pas arrêter les mauvaises décisions, le monde des esprits. Daniel fait la même déclaration. Roi, je n'ai rien fait de mal contre toi. Mais toi, tu as menti. Parce que tu ne voulais plus de ta femme. Tu es allé raconter n'importe quoi à l'église. Je l'ai surprise plusieurs fois en flagrance d'adultère. Ah, je l'ai suspecté plusieurs années et puis je l'ai surprise. Ah, mon mari, là, vraiment, il n'est pas sérieux, il est infidèle. Au cause de la Moutoumakamb. Il y a des celles-là qui ont même accusé faussement leur mari. Tu vis où? En Europe? En Amérique? Où encore? Tu vis dans des pays qu'on appelle pays de droit, pays de ceci. Bien aimé, la justice des hommes est différente de celle de Dieu. Je vous dis qu'il y a des hommes qui pleurent aujourd'hui, les vies sont gâchées. Et se posent la question, ils se posent la question de savoir, mais, Nakutana moi, ça boye wapi. Ton mari n'a rien fait du tout. Tu connais ce que tu es allé dire, n'est-ce pas, devant le juge. Parce que tu visais l'argent. Nous avons 5 enfants. Déjà avec 4 000 là qui vont... ça fera déjà 8 000 pour... Même les, ils sont 3, même 5, ça fait 8 000 déjà. Je peux encaisser. Après quoi? Il y a encore l'argent là qu'on donne par mois. 3 600 par enfant. Ça fera fois 5. Je vais encaisser combien si j'ai encore 2 enfants, il peut faire 3 600. Les autres là, ça fait 3 000. Ndeba calcule les obéta mamikolo. Calcule la boy. Et puis quelqu'un te dit yaya kobou canadien. En 2 ans, pendant que le président là est encore là, tu peux en profiter, faire un grand chiffre, un grand montant. Et immeuble est terminé en boka. Ou terminé c'est pas un immeuble. Kobou canadien yaya. Viré yumamo obu. Allez, directement. J'appelle la police. Va te plaindre. Il me tape chaque jour. Il est méchant. Il me maltraite. Tu as créé des problèmes à ton mari. Aujourd'hui, il est seul. Avec le petit salaire qu'il a, il doit dépenser l'argent pour soutenir encore les enfants. Et toi, tu prends l'argent. Et puis, tu vas prier. Seigneur, Seigneur, j'arrête. J'arrête les décisions négatives. Ce n'est pas de telles personnes qui soient capables d'arrêter des décisions dans le monde des esprits. Tu vas à l'église, le pasteur va manger la dîme. Pasteur Anganaza n'a problème. T'es Aolia n'a une dîme normale. Même moi là, tu me donnes une telle dîme. Aolia n'a. Aolia. Aolia n'a pas dîme. Quelqu'un me dit, pasteur, moi, il dit, Aolia, il dit, ma bé. Je te pose la question. Parfait au Bapompa qui Jésus. Le parfait qu'on avait parfumé Jésus-Christ par la femme. Marie, la sœur de Lazare. Ça provenait d'où? Le parfum là. Parce que la Bible dit que Marie était impudique. C'était une prostituée.
elle n'était pas encore convertie. Donc tout ce qu'elle avait comme richesse, elle avait ça depuis la source de la prostitution. Que ce soit la maison où Jésus allait habiter. Quand il allait là-bas, Jésus habitait où? Quand il allait à Béthanie, il habitait chez Marie. Il dormait avec Lazare ensemble. Je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un de se prostituer, mais c'est des choses que vous devez comprendre. Papa, c'est allé là. Ici, nous parlons de la prière. La prière d'un pécheur est une abomination, disent les Saintes Écritures. La Bible ne dit pas que la dîme d'un pécheur ne sera pas reçue par Dieu. Voilà pourquoi même dans les tabernacles, dans l'ancien temps, les offrandes matérielles, holocauste, on mettait ça dans le parvis. Et dans le parvis, tout le monde avait accès. Même ceux qui étaient sales. On appelle ça l'autel des holocaustes. Il faut comprendre la maman. L'autel des parfums, comparable aujourd'hui à l'adoration, à la prière, à quoi? À la vie des jeunes et puis tout ça. À la louange. Là, c'est dans le lieu saint. On appelait ça l'autel de parfum. Là, ce n'est pas les gens sales qui pouvaient y accéder. C'est pourquoi la Bible dit la prière des justes a une grande efficacité. Tandis que la prière d'un pécheur, c'est du bruit dans les oreilles de l'Éternel. C'est là où je suis en train de me baser. Je connais ce que je prêche. Comme pour dire, mon frère et ma soeur, répentons-nous. Abandonnons nos mauvaises œuvres. Ça va bloquer quelque part nos prières. Si tu as la haine dans ton cœur contre ta mère, ton frère, ton bien-aimé, libère-le. Il y a de ces gens qui ont adopté une certaine attitude. Tu risques de croire que c'est la haine, mais qui n'a pas la haine dans son cœur. Mais il a pris seulement des dispositions comme Joseph. Joseph n'avait pas la haine contre ses frères. Mais dans les actes, tu risques de penser que Joseph a haï ses frères. Parce qu'il les maîtrisait bien. Il les a vus de loin. Il savait que c'est son sang. J'ouvre des parenthèses pour comprendre la nuance. Il voit ses frères en Égypte. Il les aperçoit de loin. Il les traite comme des étrangers. Vous venez d'où comme ça? On vient de tel pays, d'Israël. Comment, votre papa s'appelle comment? Vérification de l'identité. Chef, on est venu justement chercher la nourriture. Non, je vois comme si vous êtes des espions. Pourquoi vous avez une telle coiffure? Votre papa s'appelle comment? Azo traitait Bandekone durement, pensant que tu risques de croire qu'il est rancunier, alors qu'il ne l'est pas, rempli d'amour. Oh, je prie encore que Dieu t'aide à comprendre certaines choses. Il y a la sagesse de la vie. Et aussi comprendre tout. Il faut en ce qu'on a le lenga qu'on vivre dans le monde. Mais la sagesse, ce n'est pas la haine. Je ferme la parenthèse. C'est alors qu'il va envoyer ses frères qui vont chercher leur papa. Il fallait qu'il les traite comme ça pour qu'ils puissent voir son père de nouveau. Sinon, tu es un bangma pour ma papa. Et Jacob n'allait plus voir son fils dans la gloire. Or, il fallait que la prophétie s'accomplisse. Le père et les parents et les enfants devaient se prosterner devant Joseph. Voilà pourquoi il a usé de sagesse. Mais moi là, je parle. Moi ici là, je suis en train de parler des personnes qui haïssent les autres. Il y a de ces personnes que tu n'appelles pas, c'est pas parce que tu les détestes. Mais tu évites certains comportements. Aussi, on m'a plusieurs fois qu'on rapprochait Boutouana. Tu sens que la personne, c'est toujours une pierre d'achoppement. Il te crée toujours des sérieux problèmes. La Bible dit, si quelqu'un devient une occasion de chute pour toi, tu peux le mettre de côté. Ce n'est pas la rancune, ce n'est pas la haine. Est-ce que tu comprends la nuance? Mais là, moi, je parle de personnes qui haïssent les autres. Tu es ton frère. Tu es ta sœur. Ta prière ne pourra pas stopper le plan maléfique dans le monde des esprits. Alors la prière à faire maintenant, c'est de dire à Dieu, change mon cœur, change mon âme, change ma vie. Je savais que les amens allaient diminuer. Je savais ça, je le savais.
Mais je ne suis pas là pour que tu dises Amen seulement. Mais c'est pour t'aider à avoir des vraies solutions. Quand je te prêche, un doigt me revient. Ngamropé, il faut la salle de travail. Nul n'est parfait, mes amis. Est-ce que je parle à quelqu'un? En dehors de Daniel, je vais rapidement pour qu'on prie par rapport à ça. Qu'on répare ce qu'on doit réparer. Qu'on change ce qu'on doit changer. Qu'on enlève l'ivraie en nous et qu'on remplace par le blé. Au nom de Jésus-Christ, en dehors de Daniel, la Bible me parle de Job. Sa femme va même l'acculer en lui disant « Injurie Dieu et meurt. » La Bible dit « Aucune de ses paroles, des paroles injurieuses, n'était sortie de la bouche de Job. » En tout ça, la Bible dit « Et Job ne pécha point contre son Dieu. » Dites « Amen » que j'avance. Je vous donne encore un autre exemple. Le jeune Joseph dont je parlais là, il se retrouve en Égypte seul, éloigné de ses parents. Mais là, il se comporte comme un fils de Dieu. Lorsqu'on le tente par la femme de Potiphar, couchons ensemble. Je ne veux plus de mon mari, il est fatigué. Un cow-boy fatigué. C'est toi le sang chaud que j'ai. Viens réchauffer mon lit. Mon lit conjugal, il est glacé. J'ai besoin de toi. Bien-aimé, la Bible dit Joseph s'est comporté en fils de Dieu. Hein? Dieu est celui qui entend et qui perturbe le programme des méchants dans la vie de ceux qui marchent avec lui en communion. Qu'est-ce que Joseph dit? Comment pécherais-je, commettrais-je un si grand péché contre la loi de mon Dieu? Également, comment je vais trahir mon boss, Potiphar, qui m'a fait tant de bien? Mais toi, combien de fois tu as trahi? Tu as trahi ton papa, tu as trahi ta mère, tu as trahi même ton pasteur, même nous autres ici, on ne t'a fait rien du mal, mais tu nous trahis. Tu nous trahis. Tu as trahi, bien-aimé Seigneur, la sœur qui t'a invité en Europe. Quelqu'un qui t'a invité même en Amérique, là, oui, Nassimana, il a péché au billet, Yaka, oui. Il t'a logé à la maison. Pendant que tu es encore là, tu es bien avec lui. Après un mois, deux mois, vous avez des petits différends. Tu es la première personne à les critiquer. Ah, d'ailleurs, bien-aimé, nul n'est parfait. Il t'a aidé. Il t'a montré les ABC du pays. Bah font la mukanda ou une social security. Bah kenabo. Tu veux faire quelle application? Appliquer les yo. Ça la reconnaissant quoi? T'as le bureau Mickey Mickey. Pour habiter au foot à loyer. Il y a des problèmes. Ici la vie c'est comme ça. Au foot à loyer. Pour habiter au foot à moi on a un intérêt. À investir. Tant que ça devient une banque, il y a intérêt. Je suis au foot et tu me mets les calculs papa. Mes billets sont 2500. Pablo Ognon, c'est sali 3000. Donc, dans 3000, vraiment, il me demande que je puisse lui payer 9000. Papa, c'est beaucoup. Il aurait pu me demander même 5000. Tu ne sais pas là où il a pris l'argent. Peut-être qu'il avait pris l'argent en banque. À un pourcentage, il m'a attaqué. Intérêt. Mets ta machine là-bas, fille Yoka. Tu ne connais pas les réalités de la personne. Si tu avais dit oui, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient de Satan. On dit Magit, Poyar, Mikil. Vous voyez Mikil, foutanyongo. Foutanyongo. Ce qu'elle doit pas en pamboire. Foutanyongo abattu. Il y a des gens qui commencent à se promener partout. Et d'ailleurs, les méchants. Ah, vraiment, il m'a. Non, tu avais dit oui. Il fallait refuser de rester au pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous voulons prier. Si tu te retrouves. Et tu es dans le faux maintenant là. Tu n'as pas une vie d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu. Je ne te condamne pas. On peut réparer. Réparons avec Dieu. Dieu m'envoie comme un messager de la bonne nouvelle. À travers ce moment de prière, que tu répares. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis méconduit. Je n'ai pas une vie digne d'un enfant de Dieu. Je suis hypocrite. À l'église, je me comporte comme saint. Mais voilà que même à l'église, là, je récupère les diacres. On va faire des aventures. Et le samedi, on est dans des boîtes, dans des hôtels. Les dimanches, on vient comme des chantres, comme des serviteurs de Dieu. Papa, je ne suis pas digne. C'est pourquoi je reviens à toi, te demander pardon. Papa, j'ai triché au travail. J'ai accusé les gens faussement. Je suis derrière quelqu'un pour lui causer du tort, pour rien. Quelqu'un ne m'a fait rien de mal. Papa, je reviens à toi, réparé. Aie pitié de moi. Purifie ma robe. Aide-moi aussi à être dans les mêmes conditions que Daniel.
aide-moi à remplir les mêmes conditions que le roi Ézéchias. Ézéchias dit, Dieu, tu sais que je marchais pieusement devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois capable de faire la prière comme Job. Job qui dit, je sais que je n'ai rien fait de mal contre mon Dieu. Et comme il est vivant, il s'élèvera le dernier. Il est capable de changer une décision qu'il a arrêtée lui-même. Si c'est lui qui est en train de reprendre, c'est lui également qui me donnera encore. Ma sœur, j'aimerais que tu fasses cette prière. Je te donne 2-3 minutes que tu pries, que tu répares ton cœur, que tu répares ta communion, ta relation avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reviens à toi. La Bible dit ceci, quand bien même ton péché est plus rouge que du cramoisi, il nous rend plus blanc que la neige. Élève ta voix, commençons à prier. Seigneur, nous revenons à toi. Si tu peux t'agenouiller, tant mieux. Il serait mieux de le faire. Répands et humilie ton âme devant le Dieu très haut. Demande à Dieu de te pardonner pour la haine, pour la méchanceté, pour la colère, pour la trahison, pour la vie de duplicité, l'hypocrisie. Père, je reviens à toi, te demandant pardon. Sois le Dieu qui m'aide à revenir. Je reviens à toi aujourd'hui. Tu as dit dans ta parole, celui qui reconnaît ses péchés, les avoue comme je le fais là. Il reconnaît ses transgressions. Papa, toi, tu lui pardonnes de toute iniquité. Même s'il avait commis des péchés qui étaient plus rouges que du cramoisi, tu le rends plus blanc que la neige. Papa, sokola monte manangai. Yahweh limbisande komo asoyo. Yo kakolande komo bali. Azako senga mawana yo. Nzambe to zonge para yo. De tout cœur, nous revenons à toi. Pitié de nous ce matin, use de miséricorde Seigneur, cette nuit, cet après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle la personne est en train de prier maintenant. Seigneur, pardonne ta fille en Allemagne, pardonne ton fils en Hollande, pardonne celle qui me suit depuis l'Angleterre, pardonne mon bien-aimé à Lubumbashi, celle qui est à Likasi, celui qui est à Abidjan Seigneur, il y a une fille qui est à Libreville en train d'implorer ta miséricorde, pardonne celui qui est aux États-Unis, au Canada, pardonne-moi mon rocher, moi en Australie, pardonne celle qui est en Norvège, en Australie, en Suède. Seigneur, quelqu'un est en train d'implorer ta miséricorde en Afrique du Sud. Seigneur, pardonne celui qui est en Algérie, en Égypte. Purifie celui qui est au Maroc en train de nous suivre. Pardonne ma soeur et mon frère qui est à Addis Abeba. Use des miséricordes vis-à-vis de cette famille au Zimbabwe qui implore ta miséricorde. Yahweh, en Tanzanie, il y a une famille qui demande ton pardon. Un frère vient aujourd'hui devant ton trône implorer la miséricorde de Dieu. Yahweh entend la voix de chaque enfant de Dieu qui a écouté la voix de ton serviteur et qui revient comme une brebis égarée. Yahweh, pardonne-moi, pardonne ton fils, pardonne ta fille, pardonne-moi ton serviteur. Papa, lave mon âme, mon cœur rempli de colère, de haine et de méchanceté, de propos remplis de méchanceté. Seigneur, purifie-moi. Des fois, de prêter une intention à quelqu'un, c'est notre Dieu qui m'a fait pas, qui m'a pas fait du mal. Pardonne ma soeur et pardonne mon frère. Purifie-moi, Jésus. Purifie nos robes, purifie nos vêtements, dans le nom de Jésus. Pardonne-nous d'avoir haï, Seigneur, des fois des innocents. Pardonne-nous, mon Rédempteur, de toute attitude intransigeante, n'étayant pas plu. On s'est comporté de manière indigne, nous n'étions pas dignes des fils des filles de Dieu. Père, nous voulons rentrer dans les normes. Nous voulons rentrer dans les normes, les mêmes conditions que le roi Ézéchias. Nous voulons aussi dire, Papa, nous avons marché pieusement. Mais nous savons une chose, tu es le Dieu plein d'amour. Manifeste ton amour vis-à-vis de nous en nous pardonnant et en nous purifiant de toute iniquité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen plus fort que ça. Tu me donnes un amen, que Dieu te bénisse. Tu peux te lever, relève-toi déjà. Le Dieu que je te prêche, c'est pas un Dieu, c'est pas un bourreau. C'est un Dieu plein d'amour. Il dit dans sa parole, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, se détournant de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je lui pardonnerai de toute iniquité ainsi que de tout péché. Le Dieu Tout-Puissant t'a pardonné, maman. Ce Dieu-là t'a pardonné, mon frère. Sois-en rassuré. Sois-en rassuré. Je dis bien, sois-en rassuré. Mais la Bible dit seulement, ne pêche plus. Je me souviens de cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Jésus lui a dit, va et ne pêche point. Il nous reste encore 23 minutes, on va clôturer. Bien-aimés frères et sœurs en Christ,
papa, maman, écoutez. Pendant que Jésus t'a purifié, ne te culpabilise plus. Seulement prends la décision de marcher maintenant en toute loyauté, en toute honnêteté, en toute sincérité devant sa face. Que Dieu te bénisse. Tu dis à Dieu merci. Dis-lui merci. Tu peux m'écrire cela. Une façon pour toi de dire à Dieu merci. Tu dis c'est ma merci. Écris ça. Rassure-moi que tu es avec moi et que tu n'as pas de soucis de connexion. Écris-moi merci. Ça dit que tu es en train pas de remercier le pasteur Kalala, bien sûr, parce que moi-même aussi j'ai dit merci à Dieu pour le pardon. Moi-même aussi je suis en train de lui dire merci. Je lui dis merci. Hein? Vous voyez que moi-même aussi j'écris. Mais tu es en train de me rassurer que nous sommes ensemble et que tu me captes 5 sur 5. Que Dieu te bénisse. Après avoir écrit merci, partage aussi. Partage aussi les liens. Envoie les liens à quelqu'un. Et que Dieu te bénisse. Après avoir été en communion parfaite avec Dieu, après avoir lavé sa robe, écoute, laisse-moi te rassurer que ta prière devient très efficace. J'annonce à quelqu'un qui a fait cette prière, ce deuxième sujet de prière qui vient de donner avec détermination, ta prière est devenue plus dangereuse dans le monde des ténèbres. Elle est capable de bousiller, de bombarder, de renverser et de changer les décisions dans le monde des esprits. La Bible dit la prière des justes a une grande efficacité. Et le qui obinanguya. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons faire la prière des justes. Nous voulons lier des choses ici sur la terre et les ciels acceptent. Je vous ai dit que cette vie-là, d'arrêter les décisions ici sur terre et Dieu accepte, cette capacité-là d'influencer la décision de Dieu n'a pas commencé avec le roi Ézéchias, mais ça a commencé depuis Genèse, le jour où Dieu a créé l'homme et la femme. Quand il les bénit, il leur donne cette capacité. Voilà pourquoi il dit à Abraham, c'était à travers la touche bien sûr, Dieu a communiqué à Abraham le pouvoir de dire des choses ici. La Bible dit Dieu prend les animaux, il les fait défiler devant Abraham, Adam. Je parlais d'Adam et non d'Abraham. Il lui dit, Adam, tu es créé à mon image. Tu es créé à ma ressemblance. Tu vois tous ces animaux qui sont devant toi. C'est à toi de leur donner des noms. Est-ce que vous comprenez? Et les noms que tu vas donner à ces animaux, que ce soit les hommes dans ce monde, tout le monde, que ce soit dans le ciel, et moi, et les anges, et tous ceux qui vivent au ciel, nous allons accepter ce que toi tu vas donner comme nom. Est-ce que vous comprenez ça? La communion, l'interaction, un feedback positif entre les fils de Dieu et l'Élohim, le monde des esprits. Comme pour dire, tu es capable de faire une déclaration sur cette terre et le monde des esprits accepte. Je te donne ce pouvoir-là parce que tu es créé à mon image, parce que tu vis selon mes ordres. N'oubliez pas que Adam, en ce moment-là, il était un homme qui vivait en communion avec Dieu. Il était dans l'alliance adamique. Et maintenant, vous avez compris que ce n'est pas seulement à cause des œuvres d'Ézéchias qu'Ézéchias est justifié. Mais la Bible dit, quand Dieu maintenant répond, Dieu dit ceci, à cause de mon alliance avec ton père David. C'est pourquoi je vous ai dit, on va dimension par dimension. La deuxième dimension, c'est celle dont je vous ai parlé, la dimension de tes œuvres, de la crainte de Dieu, etc. Mais nous autres, on n'est pas juste à cause des œuvres. C'est pas seulement parce qu'on marche bien dans la crainte de Dieu. Si c'est à cause de ça, on sera tous coupables. Parce qu'à peine là, tu peux encore méditer le mal contre ton frère. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il nous a fait rentrer dans une alliance. Maintenant, nous voulons prier pour dire à Dieu qu'il change le ciel, qu'il stoppe les décisions négatives, pas à cause de nos œuvres,
mais nous allons nous appuyer sur la justice et l'alliance de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous sommes rentrés dans une alliance comme celle d'Adam dans les jardins d'Éden. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam, c'était pas à cause de son comportement, mais Dieu, à travers son alliance, il dit, je t'ai fait créateur à mon image. Le premier Adam a perdu cette alliance, c'est alors qu'il a perdu le pouvoir. Mais Jésus-Christ de Nazareth, on l'appelle dans la Bible le deuxième Adam. Il est venu nous faire rentrer encore dans cette alliance dans laquelle était Adam au commencement. Donc les capacités de donner des noms aux animaux sur la terre. Et le ciel dit Amen. Cette capacité-là, Jésus-Christ vient nous la redonner, nous la donner de nouveau à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Donc toute personne qui a cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur à la croix de Golgotha, Jésus lui donne encore la capacité de dire des choses ici sur la terre et lesquelles choses sont acceptées au ciel. Donc tu es encore rentré dans une alliance. Et Dieu dit, à cause de mon alliance avec ton père David et à cause de moi-même, j'ai décidé de t'ajouter 15 ans. Au lieu que tu meurs maintenant, je déplace les bornes. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas t'appuyer sur l'œuvre de la croix. Réalise l'amour de Jésus, le sang qu'il a versé à la croix. Si tu peux être justifié, c'est pas à cause de tes propres œuvres, mais c'est à cause du sang de l'agneau, à cause du sang qu'il a versé à Golgotha pour toi. Tu vas t'appuyer sur ça. Tu dis, Jésus, moi je suis de ceux-là qui ont cru qu'à la croix, tu as versé ton sang pour moi. Je fais partie de ceux-là ou de celles-là qui croient qu'à Golgotha, tu as été crucifié, tu as été flagellé, immolé. Pour moi, je crois que tu m'as fait rentrer de nouveau dans l'alliance, plus que celle du premier Adam, dans l'alliance du deuxième Adam, à travers le sang que tu as versé à Golgotha. Je crois en travers à la puissance du sang qui me rachète de tout péché, qui me purifie de toute condamnation, même des condamnations des familles. L'œuvre de Golgotha m'a racheté de la malédiction familiale, des liens et des lois. Seigneur, merci pour ton sang qui m'a purifié, qui m'a lavé, qui m'a justifié. Et maintenant, ma prière est efficace. Je crois que je suis encore capable de dire des choses ici sur la terre et au ciel. Tout le monde approuve. J'annonce à quelqu'un, si tu peux baser ta foi sur l'œuvre de Golgotha et que Jésus t'a racheté par son sang qu'il a versé à la croix, tu vas dire des choses maintenant et le monde des esprits va accepter. Même s'ils avaient décidé de te tuer, le ciel va être suspendu. Leurs programmes seront suspendus. Parce que ici sur la terre, quelqu'un qui est racheté par le sang de Jésus est en train de prendre des décisions sérieuses. Il est en train d'appeler, de donner des noms à sa destinée. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont décidé que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs pendant ce mois, tu meurs cette année, que ton foyer soit visité par la mort prématurée. Toi, en tant que fils et fille de Dieu, par ta présente prière, tu es capable de stopper et d'arrêter ce programme. Débloque et arrête cela. Déplace les bornes des limitations. Si dans le monde des esprits, on a arrêté que tu n'enfanteras plus jamais, tu peux déclarer maintenant, au nom de Jésus-Christ, je déclare que les bornes soient déplacées. Une prière qui déplace les bornes. Une prière qui change des décisions prises dans le monde des esprits. Que ce soit dans le monde de la sorcellerie. Et je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, en tant que fils du Dieu Très-Haut, en se souvenant de l'alliance de Golgotha, à la croix Jésus a versé son sang pour me racheter. Je déclare maintenant qu'une décision négative prise sur moi, contre ma destinée, contre ma santé, contre mon séjour, contre ma vie, contre mon ministère, contre mon foyer, contre mes activités, au nom de Jésus-Christ, que ces décisions soient annulées. Je déchire les ordonnances. Est-ce que tu comprends des prières que tu vas faire maintenant? Pendant que tu me donnes trois fois Amen, tu m'écris trois fois Amen, 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 que le Dieu Tout-Puissant accomplisse ces choses dans ta vie. Pendant que tu m'écris trois fois Amen, 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 donne le Dieu Tout-Puissant accomplir ces choses dans ta vie. Pendant que tu dis Amen là où tu es trois fois, que la puissance du sang de Jésus te fasse rentrer dans cette dimension exceptionnelle. Que Dieu te bénisse, toi qui le fais. Que Dieu arrose, que Dieu t'arrose, toi qui le fais. Que Dieu te visite, toi qui le fais. Que Dieu te visite, toi qui me donne trois fois Amen, Amen, Amen. Recevez la grâce
recevez la faveur divine. Que le ciel soit ouvert. Que Dieu entende ta prière. Que Dieu te localise. Que Dieu fasse des merveilles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux partager? Partage. On va prier maintenant. Tu vas te lever. Regarde cette maladie qui te tourmente. Parle et dis à Dieu. Seigneur, ce qui a été arrêté dans le monde des esprits, que ce soit dans ta présence par toi-même, que ce soit également dans le monde des ténèbres, dans la réunion de méchants, dans la réunion des occultistes, dans la réunion des marabouts, dans la réunion des gens des talismans, ce qui a été décidé sur moi, que ce soit à travers la maladie dont tu souffres, que ce soit à travers des problèmes qui t'arrivent, que ce soit à travers des troubles dans ton foyer, que ce soit à travers des finances qui sont bloquées, que ce soit à travers la destruction, tu vas dire à Dieu tout ce que l'ennemi a arrêté pour détruire mes activités, pour détruire ma vie, pour détruire mes entrailles, pour détruire ma santé, pour détruire mon séjour. Aujourd'hui même, dans le nom de Jésus, je viens détruire cela, je viens les annuler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, commence à déclarer. Élève ta voix, commence à déclarer. Commence à déclarer, commence à lier des choses sur la terre. Fais la prière d'Ézéchias, une prière qui change la décision de Dieu. Commence par changer. Si tu as rêvé des trucs bizarres, tu as rêvé en t'enterre, déclare maintenant, je suis sorti du tombeau. Si tu as rêvé, on tire sur toi, tu déclares que les balles retournent à l'envoyeur. Si tu as rêvé, on t'enterre, tu dis la fosse l'avant avalé, la personne qui l'a creusé. La Bible déclare, celui qui creusera une fosse contre toi, il tombera lui-même. Si tu as rêvé, on t'a empoisonné, tu dis le poison n'aura pas d'effet sur moi, mais ça va rattraper la personne qui planifie et qui les détient en main. Seigneur notre Dieu, je déclare ce matin que tout ce qui a été décidé dans les mondes des ténèbres, dans les mondes de méchants, que ce soit dans la réunion de famille, la réunion de la belle famille, association de famille et belle famille, qui ont décidé d'amputer les destinées, de détruire des foyers, de détruire les activités, de compliquer les destinées des gens et d'humilier, de ruiner les vies. Seigneur, maintenant, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que ce qui a été décidé soit annulé. Je viens annuler les décrets de méchants, ceux qui veulent détruire les vies, les santé, les activités, les projets, les affaires, les commerces des fils et des filles de Dieu. Maintenant là, au nom puissant de Jésus, je viens annuler cela. Dans les noms de Jésus-Christ et de Nazareth, j'annule le projet maléfique, j'annule le plan satanique, j'annule les décisions prises sur les autels maléfiques. Toute décision prise dans le monde des esprits, que ce soit dans les eaux, dans des réunions de féticheurs, je déclare que le feu de Dieu consume cela. Au nom de Jésus-Christ, le feu descend du ciel. Père, réponds-moi par le feu. Dieu de la Bible, réponds-moi par le feu. Que ton feu brûle les décrets sataniques, les dossiers des méchants, les contrats signés contre ma vie, contre la vie de mes enfants, la vie de ma femme, contre mon travail, contre mon ministère, contre mes activités, contre ma vie, mon séjour, contre mes voies, contre mes matériels, tout ce que tu m'as donné, contre ma richesse matérielle et financière, je le déclare au nom de Jésus. Tout autel maléfique dressé contre ma maison, tout programme de destruction en vie humaine, destruction matérielle dans la vie de tes enfants, que cela soit annulé. Papa, que notre présente prière puisse stopper, Seigneur notre Dieu, les projets, les décisions prises. Nous les neutralisons, nous anéantissons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur prie de tout cœur. Mon frère déclare, tu n'es pas n'importe qui. Tu es de la race d'Adam. Tu donnes les noms à l'animal. Toi, on t'appellera lion et le ciel appelle les lions. Aujourd'hui, on appelle les lions de la tribu de Juda parce que Adam a déclaré un animal s'appellerait lion. Maintenant, déclare aussi à la place de la mort, déclare que tu ne mourras pas. Dis, je ne mourrai point, je vivrai. À la place du déclin de tes entreprises, déclare que mes entreprises ne mourront point. Elles vivront, je les confesse de tout cœur, dans le nom puissant de Jésus. Mes activités ne seront point détruites. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes enfants ne mourront point. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon fiançailles ne s'arrêtera pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon mariage ne sera pas détruit. Ma femme et mon mari ne me quitteront point.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que mes activités ne seront plus détruites, amputées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que ma destinée ne sera pas amputée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare maintenant que mon séjour ne sera pas un séjour de pleurs et de grincements. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la mort prématurée libère le parcours de ma vie. Toi, esprit des morts, je te l'ordonne de libérer maintenant le parcours de ma vie, le parcours de la vie de mes enfants. Libère le chemin de ma maison, libère le chemin de mes activités, libère mes voies, dans toutes mes voies, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le Dieu qui a entendu la prière d'Ézéchias, entend la prière d'un Ézéchias, d'une Ézéchias qui maintenant en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, serait en train d'arrêter les décisions et les décrets maléfiques. Nous déchirons les ordonnances, nous effaçons ce qui a été écrit, les sceaux et les marques sur nos corps, les marques de blocage, de stérilité, de célibat endurci, nous les effaçons par le sang de Jésus-Christ. Nous effaçons les décrets, tout ce que le diable a décrété contre nous soit effacé par le sang de Jésus. Tout ce que les gens complotaient dans le spirituel, tout comme dans le physique, pour nous combattre, nous mettre des bâtons dans les roues, que cela tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, fais tomber les barrières, brise les limites, déplace les bornes, que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Nous croyons à la prière qui change la décision, tant dans le monde des esprits que dans le physique, au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de Golgotha qui m'a fait rentrer dans une nouvelle alliance et tu m'as fait encore donner des capacités de dire des choses sur la terre, lesquelles sont acceptées au ciel. Merci les dieux qui défendit la cause de Jacob. J'ai vu, Jacob a vu l'échelle et les anges qui montaient et qui descendaient. Ils montaient avec des prières comme les nôtres et ils descendaient avec des solutions. Je te dis merci pour les solutions qui viennent, Saint, du ciel, parce que nous avons prié, Un rassemblement des saints vient de prier de siéger sur la terre pour débloquer des pluies de bénédictions, pour demander la pluie de bénédictions, pour demander la guérison miracle dans les corps des fils et des filles, pour demander la protection divine. Désormais, nous marcherons sous la protection céleste. Merci pour tes anges qui neutralisent, qui fermeront les gueules des lions à jamais dans toutes nos voies. Merci pour les portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Merci pour la restauration. Merci pour le rétablissement. Merci pour le rebâtissement. Merci pour la joie, la guérison, la protection, le succès et la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Merci de faire tomber les limites, de faire tomber les barrières. Que tout homme, toute femme qui se tiendrait devant nous, qu'elle tombe et qu'elle meure, qu'elle disparaisse. Toute personne mal intentionnée dans le monde physique qui voulait empêcher à ta volonté de s'accomplir dans nos vies, cherchant à nous imposer sa méchanceté, qu'elle tombe et qu'elle disparaisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce temps précieux et merci pour cette prière qui change la décision dans le monde des esprits. Merci pour ton règne. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour tes anges. Tes anges qui nous accompagnent dans toutes nos voies. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi trois fois Amen. 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 On clôture déjà dans cinq minutes. La Bible déclare le roi Ézéchias. Quand il a fini de prier dans sa chambre, comme tu l'as fait là, Dieu envoie le même prophète pour changer des décisions. La prière qui change la décision de Dieu. Ézéchias, le prophète Ésaïe, il n'était pas encore sorti de la cour royale. Il était encore où? Au milieu de la cour. C'est pourquoi je t'encourage, mon frère, de ne pas tarder à faire des prières aussi longtemps que tu vois on va le faire quand il est chaud. Erozozo message à ma bé. Ne perds pas le temps. Aussitôt, rectifie les tirs. Corrige ce que tu dois corriger. Détruis ce que tu dois détruire et arrête ce qui doit être arrêté.
Tu as compris que le roi Ézéchias n'a pas perdu le temps. Le temps, c'est de l'argent. Ah, que Dieu bénisse les Américains. Time is money. Time is money. Nous en comprenons. Mbongo et Andengonga. Le temps, c'est de l'argent. Quand tu fais des cauchemars, on te donne un mauvais message. N'attends pas demain. Tu connais pas ce que quelques heures peuvent te rapporter. Ah, Satan a la rapidité. Il a un rapidité. Ah, on a ensemble la lobby. On a prière lobby. Si possible, commence aujourd'hui. Et parmi les secrets d'Ézéchias, il n'y avait pas que la prière. Tu pries, c'est bien. Est-ce que tu fais des offrandes? Est-ce que tu dresses des autels? Il dit, souviens-toi aussi de mes bienfaits, de mes œuvres. Misala na yope bana uganga. Les œuvres doivent aussi parler. Souviens-toi de ces deux choses et tu marcheras dans la victoire. Aloti obana zela na la fin du mois dans ça programme. Tu connais pas ce qu'un jour peut te rapporter. Aussitôt tu as des mauvaises nouvelles, ouéli sa ba prière. N'attends pas que le roi Esaïe, le prophète Esaïe sorte de la cour royale. Regardez, c'est la même attitude avec Joseph, le père de Marie, le père de Jésus. Hein? Le papa biologique, hein? Nourricier de Jésus. L'époux de Marie. À peine Dieu lui dit, prends l'enfant fouillé en Égypte. Il n'a pas attendu demain. On lui a parlé la nuit, avant le matin. Déjà, ils avaient fait les bagages. À Saliba bagages, mbang. Ils sont partis. Nuitamment, c'est toi qui es distrait. Ah, chrétien, réveille-toi. Maman, la mouka. Le moi la pongi. Et passer la zoubengou, prière agressive. On bat le fer quand il est chaud. C'est pas un adage. C'est un adage de ce monde, c'est pas un passage biblique. Mais il est important et édifiant. Le temps, c'est de l'argent. Ne rapporte pas au lendemain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ça c'est la parole de Dieu, la Bible. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je vous prie de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Patrick Kalala. Tous les jours, il y a maintenant des prières là-bas qui se font. Tous les jours, il y a des vidéos qu'on met sur place, en ligne. Ça peut être la parole de Dieu. Ça peut être la prière. Même certaines prières que tu as faites ici, on peut les mettre là-bas. Va, suis et prie. C'est pour ton bien. L'avantage sur YouTube là-bas, c'est que tu peux suivre à la télé. Je sais qu'il y a des télés, on peut vraiment mettre Facebook, mais des fois ça bug un peu. Mais YouTube, tu peux suivre et tu peux prier en famille. À 12h30 de chez vous en Europe et en Afrique, rejoignez-nous sur YouTube. Participez à cette séance de prière qui est programmée. Prions et prions. La Bible dit prier sans cesse. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est Patrick Kalala. C'est comme le nom de votre humble serviteur. Et notre profil sur YouTube, nous sommes habillés en veste noire, chemise jaune à l'intérieur. Et vous allez me voir, je suis assis sur une chaise en bois. La petite veste en noir. Donc, tu vas voir Patrick Kalala comme ça. Et puis, bien-aimé Seigneur, abonne-toi là-bas. Tu cliques sur s'abonner. Et puis, tu cliques sur la cloche de notification. Et ça, la sonnerie, mon roboyé. Après avoir cliqué sur la cloche de notification, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras maintenant toutes les informations nous concernant. C'est-à-dire, quand on lance une vidéo, tu seras notifié. Le téléphone est là. Si vous voulez maintenant contacter le pasteur Kalala, vous nous appelez par ce numéro. Maman, que Dieu vous bénisse, vous qui avez fait le transfert hier, je ne vous ai pas encore appelé pour la prière parce que je n'ai pas encore retiré. Gardez les reçus. Une fois que je retire, je vous prierai pour vous tous. Pour vous toutes, voudrais-je dire. C'est en Belgique. Je ne sais pas si vous êtes en France, je ne sais pas si vous êtes où. Vous qui avez fait le transfert pour soutenir cette vision, gardez les reçus.
on priera pour vous une fois perçu. Vous avez été touché, vous voulez bénir ce ministère? Un seul numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous appeler, c'est le +1 331 262 49 03. Encore une fois, +1 331 262 49 03. Si vous avez du mal à faire le transfert, parce que beaucoup nous disent ont du mal à faire le transfert en ligne, des fois ça leur complique. Si vous faites par agence, on va retirer sous ce nom-là et on va transférer dans le compte de Patrick Alala Ministry avec toutes les preuves à l'appui. Donc il n'y a pas de souci. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Encore une fois, recevez toutes nos bénédictions en Christ Jésus. Que le sang précieux de Jésus couvre corps, âme, esprit de tout un chacun. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Recevez nos bénédictions, c'est la fin de l'émission. Soyez bénis, je rappelle le programme. 6h30, vous qui êtes aux États-Unis, à Chicago, etc. Heure de Chicago. Allez-y sur YouTube, Patrick Alala. Il y a des séances de prière organisées pour vous. Priez, priez, priez. Priez de tout cœur, vous serez bénis. Priez le matin, priez à midi, priez le soir. Tu ne connais pas laquelle des semailles pourra produire des fruits. Et également, vers le soir, il y a également des prédications et des enseignements qui vous seront bénéfiques, qui sont toujours programmés là-bas. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la présentation de cette émission, c'était votre humble serviteur, l'homme de la continuité des actes apôtres de Pasteur Galala, serviteur du Dieu Très-Haut. On se retrouve dans un nouveau numéro très prochainement. Ici, dans ce qui concerne temps de prière agressive, c'est le dimanche, parce que demain samedi, il y aura une pause. Et le dimanche, à 23h30, heure des USA, c'est-à-dire 6h30, heure d'Europe, le lundi, on se retrouve pour un nouveau numéro des temps de prière agressive. Mais déjà demain, les après-midi, il y aura nos émissions sur Facebook dans les actes du Pasteur Galala, une émission d'édification, mais aussi des prières. Ça sera sur Facebook, la page Patrick Alala Ministry. À partir de 15h30, on sera là pour votre édification. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. Bye bye et à bientôt. Que Dieu vous bénisse. Inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. Programme spécial inspiré pour vous en vue de votre épanouissement spirituel. Au programme, révélation, exhortation, prières agressives de délivrance et de percée. À la présentation, Patrick Kalala, votre serviteur, l'homme de la continuité. Rejoignez-nous tous les jours ou contactez-nous au 001 331 262 49 03. Soyez bénis. Émission Malamu ya Maloba na Nzambe na Nguya pona ko simba lobi na yo pona ko zoa biyano malamu na bomoi na yo pona ko tatola elonge longo na Nkolo Yesu osali na Nzambe Reverend Patrick Kalala amemeli bino émission kitoko ezali émission ya Maloba na Nzambe ya matea ya Nguya pe ya mabondeli ya moto 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 oto bengi ba prière agressive pona ko récupérer oyayo li pamboli pona ko récupérer Oyayo, bomoi pona ko récupérer oyayo esengo pe kimia. Bongo pona ko contacter biso, boy ko benga biso na 001 331 262 49 03. Et pesa melibino na moko na basana nzambe passé patikala la, bola na biso na bokebinyoso, mikolonyo zambe apambola bino.